Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et vous avez la forme. Nous, on est parti sur Satisfactory aujourd'hui et du coup, on a quelques boulots à faire parce qu'il y a l'event de Noël qui va pas tarder à s'arrêter non plus sur Satisfactory. J'ai envie de l'achever, littéralement, j'ai envie de le terminer. Donc du coup, aujourd'hui, on va récupérer... Bon, j'ai récupéré une tonne de cadeaux. J'ai fait aussi des réserves pour construire la structure de l'usine. Là, c'est en train de charger. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est monter les bâtiments. Construire plutôt l'ascenseur orbital. Faire les recherches. Je vous cache pas, j'ai trouvé un petit bloc de données entre deux. En promenant pour aller chercher justement mes colis. D'ailleurs, ouais, j'ai beaucoup de colis. Et j'ai ma petite donnée de recherche qui est là, mon petit disque dur, si je peux dire, qui attend qu'on l'utilise. Donc on va s'en occuper tout de suite. Et je sais qu'il y en a un autre qui traîne quelque part là-bas. Je suis pas allé là-bas encore pour l'instant. Donc on va se faire cette petite recherche et regardez-moi ça ici. Voilà l'event qu'on a et il faut que je produise tout ça. C'est pour ça qu'il me faut une tonne de cadeaux. Mais pour le coup, on va lancer le disque dur. On va voir, c'est dans 10 minutes, on va voir ce qu'on aura. Donc il nous faut l'ascenseur orbital pour débloquer la partie... Je crois que c'est la partie 3 qui est ici, l'ascenseur orbital phase 1. Donc voilà, il nous faut ça. Dès qu'on aura ça, je serai un peu plus tranquille. Mais pour l'heure... Ah bah tiens, il y a encore un cadeau qui vient de tomber. On va en profiter tant qu'il tombe, hein, les amis. On va pas se priver, parce qu'après, il n'y en aura plus. Et autant qu'il soit dans mes poches, là, on est à 723. Ce qui est pas beaucoup, hein, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, parce que je sais pas combien de cadeaux il va nous falloir pour achever tout l'event. Donc du coup, bah, j'ai rajouté ça. Et ça pour construire tout simplement les boules de Noël que je vais maintenant m'occuper de désassembler. Il y a celui-là et le deuxième il est... Ben non, il n'y en avait pas d'autre parce que je me suis servi de cette machine. Entre les deux, j'ai bouffé pas mal d'énergie. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais moi je le savais pas. J'ai récupéré tout ça. Essentiellement parce qu'en fait il y avait ça, le petit calendrier de Noël, et dessus il y avait des parties 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 25 ici, le gros cadeau. Et à chaque fois dedans il y avait un petit truc sympa, donc là j'ai salé des ordinateurs quantiques, des cubes, des blocs de peinture, j'ai eu quelques trucs sympas. Et donc du coup aujourd'hui j'ai quand même... Faire un petit truc, c'est il nous faut 500 comme ça. Je vais sortir les ressources qu'il me faut pour construire l'ascenseur orbital et je vais les stocker pour pas faire le con. 200, 300. Donc tout ça, on va le mettre dans cette box en fait. Hein. C'était des boules que je voulais faire. Je peux aussi construire le sapin. Donc nous, c'est l'ascenseur orbital. Éditer les tâches. On va effacer la liste. On va se mettre juste ça. Donc ici, j'ai le béton, les plaques. Donc béton, plaque, c'est fait. 400 comme ça. Ah oui, j'ai mis un ping. Donc, il va nous falloir... Non, toi tu vas revenir. Ça. Je sais même plus comment je ping. Et il nous faut 1500 comme ça, ça veut dire 3 stacks. Voilà. Et tout le reste, en fait, je peux construire l'usine qui est derrière. Enfin, tout le bâtiment, quoi. Ça va être le but du jour. Donc les fondations, j'ai aussi récupéré ces trucs là. Nous c'est des carrés comme ça, donc c'est des plaques. On va se prendre 2 stacks de plaques et 2 stacks de béton. On va, parce que là c'est pas hauteur terminale, hein, je vous le dis tout de suite. Hop,
Parce que là, il faut que je monte au moins de... je crois 2-3 blocs. Donc ouais, c'était... Moi, ce que j'ai trouvé, cette pile ici. Attendez. Pourquoi il met mon ping alors que je clique? Prendre ça? Il va avoir un souci là-dedans. Attendez. Ah, il y a un petit problème, attendez. Je sais pas ce qui se passe. Parce que ça m'avait pas fait ça la dernière fois. Donc dans les commandes, des touches, voilà. Tourner pièce, poser pièce. Moi, il faut que je trouve la poser pièce. Interagir. Ah merde. Basculer. Tourner. Ah bah tiens, ping. Attendez, j'ai un problème là ou quoi? Ça m'avait pas fait ça avant. Attendez. Parce que là, je comprends pas. La dernière fois, ça nous avait pas fait ça. Donc, pour le ping, on va plutôt mettre bah, juste Alt. Voilà. Donc toi, là. Donc ouais, je vois peut-être les choses un peu en grand pour certains qui ne connaîtraient pas le jeu. Mais plus on voit grand, mieux c'est. Donc ouais, du coup, il me faut... Voilà, ça c'est la hauteur terminale hein, que je veux. Parce qu'entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire une grosse plateforme de folie, si je peux dire. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que... merde. C'est que justement, entre deux déjà, je vais mettre la plateforme train. Je vais aussi mettre les escaliers, j'en ai ou pas? Structure, on a les garde-corps. J'ai pas les escaliers, j'ai que les murs. Dommage, hein. Donc ça... Toi, tu reviens là. Moi, il me faut la plus petite, en fait. Je veux qu'elle soit là. Donc ici, de ce côté-là, ça sera une partie d'usine. Puis au milieu, quand je dis au milieu, je veux dire par ici, il y aura tout le quai, tout le dock, tout pour décharger. Et est-ce que... Attendez, fix it. On va voir ici, normalement je peux avoir des tickets. Hein. Mais il faut que je trouve, parce que moi j'ai débloqué déjà tout ça au préalable, il me les fallait. Et ce que je veux, c'est les escaliers, et je sais pas si on les a ici. Donc il y a les portes ici... Cadre de fenêtre en acier. Architecture. J'aurais ça comme escalier, mais c'est pas ce qui me convient. Enfin, on va voir ça. Ici, est-ce que... Non, tremplin, logistique tier 2. Bah, pas le choix. Pas le choix, les amis. Il va falloir que on monte tout de suite leur bille. Toi, tu restes là. Ça, c'est pas utile. Ça non plus, ça non plus. Donc il me manque encore du câble. Voilà, donc cette partie là, je vous cache pas, c'est celle que j'adore le plus. C'est quand on monte l'ordi, la station orbitale. De toute façon, on va devoir la déplacer par la suite. Donc il va falloir que je la mette à un endroit où ce que me faut pas chier pour le moment.
Faut faire ça parce que regarde-moi la dimension qu'il a le bestiau. Voilà, donc orbital, première partie, c'est fait. D'ailleurs, moi ce que je veux voir, c'est quand le Benioff il descend. Attendez. Regardez-moi ça. La station là-haut. Ah, il est prêt à accueillir. Normalement, voilà, on le voit descendre ici. Et je claque. Ah, et quoi c'est Bon bah attends, on va voir ce que... Ah bah tiens, un cadeau qui vient de spawn directement à l'intérieur de la microbase. Et là, ce que je veux, c'est pas avoir le T2 en termes de tapis roulant, mais au moins le T3. Attendez, ascenseur orbite. C'est vrai que tant que j'ai pas fini la première phase de l'ascenseur orbital et que je l'ai pas parlé, je crois qu'il nous donnera rien du tout. Ah tiens, les données sont finies. Par contre, toi, je vais pas t'avoir. Ah bon. Merde. Si je m'y prends mal aussi. Ah là, on l'a eu. Donc lui, on va essayer de voir ce qu'il nous dit. Donc il nous faut 50 plaques. Voyez les 50 plaques qu'on a là, ça a piqué dur parce que ces plaques là, il me semble qu'il me faut une assembleuse, je n'ai pas les assembleuses, donc c'est le bordel. Enfin si j'ai les assembleuses mais je ne peux pas les utiliser tout de suite là, c'est ça qu'il nous faut. Si on a ça, on peut avoir ça aussi, les plaques intelligentes. Alors, pas le choix, on va devoir y passer. Ouais, on va se charger ça hein. Là, normalement c'est bon. Voilà, ça c'est réglé. Ça, il y en a besoin. Et tout ce qui peut être utile, en fait, on va le foutre au broyage. Hein. Parce que si je peux avoir d'autres tickets. Je vous cache pas, je kiffe. Ça, ça peut pas y passer. Il y aura le béton, mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que ça va nous aider à construire. Oui, ça, je sais ce que c'était. En plus, il faut que je fasse vite pour une bonne raison, les amis. C'est que derrière, l'avantage qu'on va avoir en faisant tout ça, c'est de récupérer. Comment dire ? De récupérer les tapis T2, T3 et le plus gros avantage qu'on va avoir. C'est que on va pouvoir aussi avoir l'énergie dite non propre, en tout cas, qui est au charbon. Donc le problème de ça, c'est qu'il va nous falloir du charbon. Il va falloir qu'on débloque cette source-là grâce au terminal. Le terminal qu'on a derrière nous et après à l'ascenseur orbital. Donc ça, ça va être le gros truc à voir là tout de suite. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc normalement c'est 220 qu'il nous en faut. 220 clous et c'est réglé. Voilà, on a 220 clous. Je sais même pas pour les câbles, je le vois, j'arrive pas à voir là. Et après on va pas s'embêter, on va tout automatiser. Vraiment tout automatiser. Dès qu'on a la phase 1 orbitale, je passe directement toute électrique autonome et on voit la suite.
Il me semble qu'il va me falloir des plaques de fer pour tout. Donc on va s'arrêter à, je crois, 200. On va tout faire, on va tout faire. Comme ça, on en aura peut-être plus cassé. Enfin, j'espère. Allez, allez, allez. Voilà, on a tout fait. Et c'était 200, c'est parfait. Donc les clous. Hop, on envoie. Dès qu'on a fini toutes les recherches ici, bah en fait, on sera tranquille. Donc prochain, ça sert à rien en fait, en réalité, de les débloquer. Ça va être trop coûteux pour ce que ça va nous donner. Donc ça, j'en veux strictement pas. Par contre, si je regarde, on devrait avoir déjà, on a les cadres modulaires qui sont apparus. Et pour le moment, je vois pas les plaques. Ces plaques-là, je les vois pas du tout. Normalement, on devrait les avoir. Mais bon, puisqu'on peut pas les avoir, on va faire. Il nous faut 4 rotors. Les rotors, je les vois pas non. Ah, si, ils sont là. Donc c'est ça plus des clous. Donc tige et clous. Il nous en faudra 4. Là on en a un. Donc on va faire un seul assembleur. Qu'on remplira au compte-goutte. Puis voilà. Parce que là pour le moment, question énergie, on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Et il faut pas que je dépense plus que nécessaire, sinon je vais me foutre en rade les machines. Alors ça nous en fait 4, il va nous falloir 8 plaques. Et ouais, c'est des clous qui nous manquent. Ah, 4, 5, 10. Merde, encore une et c'était réglé. Donc voilà. On a tout ça. Donc pour le moment, je laisse tout compact. Et je vais pas trop construire. C'est pour ça que je fais vraiment le minimum. C'est qu'après, il va falloir qu'on déménage tout ça dans la structure. Allez, Malim. Est-ce que j'ai encore un poteau qui... Oui. Donc là, on est à combien en watts? Parce que là, on est à 100. Ah oui, Aham, aham. On est mal barré. Je vais avoir une des centrales qui s'est arrêtée. Va falloir que je les relance. On va s'en mettre une de plus, hein. Est-ce que on peut le connecter quelque part? Là, non. Non plus, non plus. Non plus, merde. Bon, on va se mettre un nouveau pilier ici. Voilà, parce qu'ici, il va nous falloir... Voyez, on a des feux d'artifice en plus là-dedans. Il va nous falloir ces plaques-là. Donc c'est un rotor à chaque fois. Donc le rotor, c'est... Clou. Donc il va falloir que je prod les clous moi-même. En gros. Donc on va déjà y injecter 200 là-dedans. Non, attendez. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Ah si, les rotors, il va nous falloir des clous, des plaques. Par contre, je l'ai mal positionné. Est-ce qu'il va me falloir ça? Il va nous falloir... cargaison stockage, voilà. Voilà, ici, on va choisir les rotors en un temps. Et on va... attendez. Parce que là, en fait, le problème qui se produit, le deuxième problème, c'est que j'ai plus assez de biomasse, là, pour l'instant. Il va aussi falloir que je réalimente tout ça.
Donc celle-là, ça tourne. Celle-là, j'arrive pas à voir. Elle tourne aussi. Celle-là, elle tourne. Et donc c'est celle-là qui ne tournait pas. Voilà. Ah oui, plus que 16 ici. Donc là, on est à 130 sur 104. Parfait. Il y en a certaines qui ne tournent pas, donc ça m'arrange aussi un petit peu. Et du coup, on a 1000 vis à faire. Donc là, on va prendre les rotors, mais dans un autre temps, on va faire autrement. Et là, sinon, c'est moi qui vais devoir tout prod, ou du moins, je devrais prod les clous, enfin toutes les vis, toutes les vis, toutes les vis. Et j'ai envie d'éviter ça. Alors déjà, on va envoyer ça. Oh, tension. Ah, c'est vrai que j'ai complètement défait. Normalement, ça devrait. Voilà, ça commence à tourner. Donc, c'est 4 par minute. Vu que moi, je suis en gros, faut furieux. On va être à 10 par minute. Il va nous demander 50 tiges plus 250 par minute. Ça va être énorme. Au moins, ça sortira plus vite. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Et dans un temps, je pense que je vais me garder les rotors. J'aimerais récupérer les escaliers fixites. Et ça devrait aller. Enfin, j'espère. D'ailleurs, faut que je regarde parce que... Ouais, protéine porc. Ah merde, j'ai rien de plus. Bon. Allez, 25. 25 pour 5. Ça coûte cher, hein. Néanmoins, on en a combien là-dedans? 7. On en a déjà 7. Attendez, il faut que je regarde un truc. Toi, tu en prends 30. Ça fait 60. Et toi, tu en prends 120. À la rigueur, attendez. On va revoir tout ça déjà ici, ce système, parce que bon, je peux tirer plus encore que ça. Donc, vu que j'ai ça, ce que je peux faire, parce que moi je connais un petit peu mon système. Ça devrait passer. Non, je veux qu'il accroche en bas et qu'en haut, il pointe par là. Hop là. Donc il va nous falloir un con deux constructeurs après. Donc, on va faire ça, tac tac. Voilà. Il nous faut 4 plaques. Parce que là, je peux déjà automatiser cette ligne-là si je le désire, mais là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va essayer de se le faire. Et 4. J'ai de quoi? Attendez, je regarde vite fait. Ouais, ça va. Donc ouais non je peux pas désassembler ça, c'est ça qui est problématique. Mais je vais avoir la place. Si je fais ça, genre ici. Parce que là je vais mettre un CPA de voie. Hein. On va pas s'embêter. On va prendre ça. Donc un ici, l'autre là,
Donc toi, t'es mal placé. Et toi, je vais te mettre plutôt par ici. On va te mettre comme ça. L'avantage de ça, regardez. Je vais lui faire passer comme ça direct. Mais hop, attendez. Ça. Ok, une partie qui vient par ici. Merde, je suis pas réussi à le. Il faut que je monte. Alors, répa, parce que là, il va me falloir une partie qui vienne directement. Viens là, toi. Et toi, je t'ai encore mis trop près. Parce que j'ai une partie quand même qui vienne ici. Et l'autre, il va falloir que je la fasse jongler là-dedans. Avec le bazar. Non, les plaques sont à côté. Pour le moment, vous en faites pas, ça va être le bordel total. Que j'améliorerai ça par la suite. Vu que la machine elle est là. Elle a fait rentrer par ici et il va falloir aussi une dérive ici. Ah non, c'est pas celui-là. Alors, est-ce que j'en ai un? Oui. Cool. Parce que là, il va m'en falloir quoi? Un pour celui-là. Deux. Et trois. Je sais même pas combien ça va nous cramer. Mais on va vite le savoir. Donc là, il nous faut les tiges de fer. Puis ici, c'est les vis. Et puis ça roule. Donc ici, ça en prend 10 par minute. Là, ça va nous en cracher 15 par minute, ce qui est parfait. Et là, c'est 30. Donc là, il faut que ça soit un costa de 15. Enfin, normalement, c'est 30. Mais là, ça nous en crache 15. Là, c'est 10. Bah, c'est parfait. Donc déjà, ici, pouf, on va y mettre ça. On va pas s'embêter. Donc il y a des vis qui vont entrer là-dedans, des vis qui vont aller directement au fond. Et là, normalement, il nous en faut combien? Il nous faut 250 vis minutes pour 50 tiges. On en est à 30. C'est pas bon. Mais bon, je m'en moque un peu. Hop là, donc ici, on va y mettre ça, on va y mettre ça, et on va y mettre ça. Plus ça. Donc on a trois coupons, je pourrais mettre les escaliers en soi. Voilà. Et ça, c'est de fonctionner. Enfin, en fait, c'est ça qui pose peut-être le problème. Mais bon. Ah, c'est ça, hors de tension. Ah, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas assez de jus qui arrive, c'est ça le problème. Donc il va nous falloir, on va prendre ça. On va prendre ces 15, on va prendre ça.
On va se prendre ça. En scratch, j'en ai pas assez hein, de tout le système énergétique, j'en ai vraiment pas assez. Au moins que j'en mette. Voilà, ça. C'est pas là-dedans qu'il y a le béton. C'est ici. Donc un poteau. Trois poteaux. Toi, tu vas alimenter. Merde, les câbles, je les ai pas laissés là-dedans quand même, si. Donc c'est toi là-bas. À toi. Voilà. Ok, il y a toi qui va aller là. Est-ce que j'en ai mis... Attendez. En train de chercher, mais il me semble qu'il y en a un autre. Non, bah c'est bon. Ah du coup. Vu qu'on a... Ah non, même pas, on n'a pas la tronçonneuse. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau qu'on aille la tronçon. Au pire. Je suis bête. Ah bah tiens, 800 cadeaux. Je suis bête parce que je peux carrément glaner un petit peu dans les machineries. Et je pense qu'on va se le faire. Attendez là. Ah oui, ça continue de sortir parce qu'on a beaucoup trop. J'oublie. Je vais regarder dans les schémas ce qu'on a. Donc on a les plaques. Donc c'est des plaques plus des clous égale ça. Ici on peut directement prendre les lingots, 5 lingots pour faire 20 comme ça. Taux de production 50 par minute. Ça nous éviterait d'avoir quelques machines. Bon, on va se faire ça. Comme ça vous allez voir. On va drastiquement réduire tout ça. Quoi garder, toi tu t'en vas. Et toi en fait on va te passer autrement. Hein. Voilà, regardez. C'est 50 par minute. Et... comme ça on s'ennuie pas. Hop là. Normalement on vient de gagner un petit peu de jus si je dis pas de bêtises, mais... Dans le doute. Parce qu'il y a le broyeur qui va tourner, lui il gobe tellement d'énergie ce couillon. Ça qui est indécent. On va vérifier. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je remets de l'énergie. Ça passe pas. Ok, très bien. Donc toi... Ah, il n'y a plus rien dedans. Attendez. Est-ce que ça, je le récupère? J'ai gardé 16 pour moi. 40 pour ici. Et vu qu'on a la tronçon, on va aller là-bas, désherber tout ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir que je fasse passer des chemins, justement, au fond. Parce que je sais que sur le chemin de droite, il y aura ce qui m'intéresse le plus. Donc beaucoup d'eau, si je me souviens bien. Ah non, même pas, c'est là-bas qu'il y a ce qu'il faut. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on enlève toute la partie bois. Hop là, ça nous fait des pétales de fleurs. Pas utile, mais bon. Il va nous falloir du bois, beaucoup de plantes. Pour au moins qu'on arrive à l'étape intéressante qui est celle du charbon. Une fois qu'on sera au charbon, ça sera bon. On aura suffisamment d'énergie en tout pour tout faire tourner. Vu que c'est des gisements infinis, donc ça passera. Hein. Mm-hmm.
Je crois que c'est qu'au début qu'on a besoin de tout ça. Hein. Celle-là, par contre, faut pas que je la détruise parce que je vais en avoir besoin par la suite de ces plantes-là. Tant leur faire d'eau. Hein. Attendez, il y a des trucs qui se passent là. Normalement, c'est censé me supprimer tout ce qu'il y a devant. Et là, ça le fait pas. Oh, toi, tu me. T'aurais pourdu. Je vais t'éclater, c'est pas grave. Attendez. J'arrive pas à récolter les plantes là, c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Normalement je peux le faire à la main. Ah, on est full. C'est pour ça que ça marchait plus. Donc ça nous fait... Ouais, ça fait pas mal quand même. Donc ouais, ça c'est le problème du début, c'est l'énergie, qu'on en a trop peu. Mais une fois qu'on a le premier palier de l'ascenseur orbital, on débloque le charbon par ce palier là. Et ça passera tout seul. C'est juste que là on va manquer d'énergie au début. Pour ça il nous faut une tonne de biomasse, qu'on débloque rapidement tout le truc qui nous pose problème. Et une fois que c'est fait, on est tranquille. Car l'ascenseur ne nécessite strictement pas d'avoir de l'énergie, sinon on serait dans la merde. Mais voilà. Merde, je suis en train de faire une bêtise. Quoique, on peut toujours faire ça. Mettre les deux ici. On réactive tout ça et puis... bah ouais, non. Ça veut pas. On va faire ça, comme ça, ça nous fera de la place, hein. Par contre oui, ça il y a aussi un autre problème, j'y avais pas pensé. C'est que pour alimenter, bah pour faire justement les blocs de biomasse, j'avais pas pensé à ça, c'est qu'il va nous falloir quand même l'énergie. Et on n'a pas l'énergie nécessaire. Après l'autre problème, c'est le temps aussi de mise en marche des machineries. Donc ça, si je calcule mal mes choses, on est mal. Voilà, on va réalimenter. Elles sont là. Deux nouvelles machines. Donc toi, t'as plus rien, il me semble. C'est ça, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Normalement là ça devrait être bon, si je dis pas de bêtises hein. Si j'entends claque dans les deux secondes qui suivent, c'est fini. Ah c'est bon. Donc là on va produire que les biomasses pour avoir le biocarburant juste après. Comme ça l'autre machine qu'on a derrière va nous produire le biocarburant direct et puis nous on sera tranquille. D'ailleurs... Ce qui me fait penser qu'elle est là, la machine à biocarbu. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est... Bon, qu'est-ce que je dis, c'est pas celle-là. C'est celle-là, mais sauf que j'ai pas... Voilà quoi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais je m'en suis servi autrement. Allez, allez.
Normalement, ça devrait aussi nous faciliter la tâche parce que il nous demandait 50 de blocs pour faire. Enfin, 50 par minute en clous. L'avantage, c'est que les clous, on va les avoir en 50, mais sauf que. Petit point noir, c'est que. C'est pas au complet. Regarde-moi ça, comment ça y vient. Et le mieux, c'est que j'en ai aussi qui arrivent là-dedans. Donc je veux juste savoir combien est-ce que... Ouais, c'est 34, c'est 12,5 par minute. Et lui nous en produit 30 par minute. Donc sur cette machine-là, en fait, on peut limite faire ça. On va mettre un petit boosté, ça nous en ferait 18. On peut encore booster. Parce que c'est 30 hein, que ça arrive. Donc on va mettre à 25. Nous on sera pas trop mal. 25. 25 je pense que ça nous suffira largement. Mais c'est... Ah oui. J'ai pas connecté avec toutes les machines. Il y en a certaines qui me manquent de l'énergie. Et celui-là je vais le mettre là. Donc là il n'y a rien. Et ce qu'on va faire c'est... Voilà. Normalement ça devrait être bon, elles tournent toutes. Donc là on est à 160... Attendez, production 140. La capacité de 200. Et on consomme que ça. Donc nous on est ici. Et la conso est en orange. Bon c'est en gris hein. Sur le graphique c'est en gris. Mais bon, on est bien. On est bien, mais va falloir que je les blinde maintenant. Nos chères machines. Donc voilà tout ce qui arrive là. On est tranquille. C'est joli. C'est beau. Et c'est ce qu'on veut. Donc en faisant aussi les recherches d'ici. Si je prends par exemple ça. On peut faire les protéines. Et normalement on peut aussi. Si je dis pas de bêtises. 3 protéines pour avoir des capsules d'ADN de... ou faire de la biomasse, voilà. On peut aussi faire de la biomasse grâce à ça. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc il me faut 3 protéines. Et on en a 5. Voilà, comme ça on va... Grâce à ça. Donc si je regarde ici, normalement on a ce qu'il faut. Attendez. Tac, tac, tac. Biomasse, voilà. Il nous faut une carapace comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Protéines. Ah oui. Ah oui. Donc, si on fait de la protéine. Regardez. On en a fait 3. Ça nous fait 300 biomasse. C'est pour ça que les bestioles, maintenant, j'ai envie de les tuer. Donc chaque bestiole qu'on va pouvoir croiser, on va pouvoir la transformer directement maintenant en biomasse. Et on sera tranquille. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais. Après on a les nutriments. Ça on va pouvoir se le faire. Hop là, les champignons, enfin les, ouais, les champignons, je les ai pas encore. Électrolimace, les jaunes, je les ai pas encore. Et les bleus, bah il manque les clous. Ah, c'est que 200. On les a bientôt. Sinon, je les fais moi-même. Ouais, je vais les faire moi-même, ça sera plus simple. Comme ça, on va débloquer les électros bleus. Et puis, on sera tranquille. Donc j'avais dit 200 si je dis pas de bêtises. Ah, c'est 200 ou 500, je sais même plus. Bon, on va faire 200.
Electrolima, c'était les bleus, nous. Trop cher. Ah! Il nous en manque un. Lol. Regardez. Pouf! Donc Electrolima, c'est trop cher. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc on a aussi, voilà, ça en fait c'est pour scanner les électrolimaces d'ailleurs. Donc on a aussi le soufre à tout débloquer. Ici, bah il faut qu'on finisse quand même l'event. Normalement ça devrait être faisable de faire ça là grâce à cette machine je pense. Donc si on regarde. Non, ça c'est les feux d'artifice, les feux de joie. Et du coup je sais pas dans quelle machine on fait celle-là pour l'instant. Fixer, améliorer, hein. Il nous faut les boules jaunes, les boules vertes, enfin les boules blanches. Ah si, je pourrais les finir ça, mais bon. Pour le moment, on a d'autres trucs à voir, d'autres trucs à faire. Les clous. Il nous manque que des clous. Pourtant, ça arrive, hein. Sauf que ça arrive trop lentement. Parce que là on est à quoi, 100, 100 par minute, ça veut dire 50 dans le caisson, 50 qui vont au fond. Bah, va falloir un coup de main en fait. Hein. On va y refiler un petit coup de main, on va prendre nous des clous, enfin des tiges. Là-dedans on en a bien assez. Et on va prendre des clous pour la machine. Que ça aille plus vite. Donc désolé pour l'activité assez nulle du début, mais c'est comme ça. C'est comme ça au début. Faut aider. Faut débloquer les choses pour faire les bases, les maisons, enfin les usines plutôt. Une fois que tout est fait, on est tranquille. Allez, on va déposer ça. Ouais, c'est 250 par minute. Ah non, on est... Attendez, c'est 250 par minute? Si je fais ça, c'est 100, ça veut dire qu'il nous en faut 2 deux comme les machines que je viens de poser. On va plus flûte. On va mettre ça à bloc. On va pas s'emmerder. 250, là déjà on en crache 100 là-bas. Ça veut dire qu'il nous en faudrait... Deux autres chemins. J'ai pas envie de le faire. Pire si on prend les clous. C'est pas grave. Donc pour la suite, il va nous falloir ça plus des plaques normales. Donc une pour une, ça veut dire qu'il m'en faut 50. Ça va être rapide. Parce que ça, je peux les faire moi-même, ça allait vite. Attendez, je vais juste récupérer ce qu'il faut là. Et il nous faudra... Normalement, les plaques, je peux pas les faire moi-même. Donc là, il nous faut 50 plaques de fer renforcées. Ça va être rapide. Donc dès qu'on a les 50... Un rotor, 50 plaques. La machine, je la transforme. On refait les chemins. Et à ce moment-là, on sera tranquille. On pourra avoir le jalon 2 de l'ascenseur. C'est-à-dire que là, on va débloquer le 1. On sera tranquille avec tout ça. Ça devrait aller rapidement après. Parce qu'on va commencer à construire la structure, mettre les escaliers, tout faire en fait. Là c'est vraiment les murs, les sols, tout ça il va nous le falloir. Et que je prévois aussi une place pour mettre l'ascenseur orbital, les chemins d'accès à l'ascenseur orbital, histoire de l'alimenter directement. Une fois que tout ça c'est fait, on est peinard.
On n'a plus assez de plaques pour nous dire combien où est-ce qu'on en est là des plaques de fer renforcé. Attendez. Et là j'aime bien savoir ce que je prod. On va se reprendre deux comme ça. On en est à 40. Quarante-cinq, quarante-sept, quarante-neuf. Voilà, on va faire les 50 direct et puis bon, ça va être long à la main. C'est bien plus rapide dans les machines, hein, je vous le cache pas. Mais bon. Ah non, on a déjà fait la moitié. Tandis que si je devais compter sur les machines, on aurait claqué 3 ou 4 fois le jus. Et là, il va falloir que je fasse gaffe parce que ça va pas tarder à claquer. Enfin, quand je dis claquer, c'est une expression. Ça veut dire que le jus va pas tarder à se couper parce qu'il n'y aura plus rien qui va l'alimenter. On va vite falloir qu'on aille remettre du biocarburant dans nos usines, sinon, pas dans nos centrales. Ah là, on a les 50. Ah, ça arrive encore ici, c'est parfait ça. Donc les 200, je vais pas mettre 200 dans une machine, ça c'est clair. Là, 100 ici pour être tranquille. 100 ici pour être tranquille aussi. Là, il reste plus rien. Oh la dèche. Bon, on va mettre les 130 là-dedans. Hein. Faut pas que ça claque le jus. Ici, ça va, il y en a encore 150, la vache. Bien fait les choses, 130 ici. Ici, il n'y a plus rien. Je veux clairement pas que le jus il coupe. Hein. Ça serait la pire chose pour moi, pour l'instant. Du coup, où est-ce qu'on en est? À combien on en est surtout ici? Parce que là, je suis pas allé compter derrière. Parce que si ça se trouve, on a ce qu'il faut. Il va falloir que je refasse les chemins. 38. Attendez, je vais vraiment l'aider. Je pense que je vais... ce que j'ai dans le stock là, dans le stockage, je vais l'arrêter. Enfin, je vais le récupérer plutôt. Et on envoie tout dans la machine, comme ça on va être peinard. On aura les 38 qui nous manquent. Dès qu'on a les 50, je stoppe la machine. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Quarante et un. Quarante-deux. Quarante-trois. C'est la dernière qui sort et après on la met sur pause celle-là et on la transforme. Voilà, c'est nickel. Ça fait que cette section là hop là
Et ici. Donc du coup, j'ai dit que ça c'était les plaques. Attendez, il va falloir qu'on modifie ça pour avoir ça maintenant. Donc plaques. Donc normalement c'est du 1 pour 1, donc là c'est tranquille. Allez, regardez. Ah non, c'est... Voici 1 pour 1 égale une plaque. Donc là on va laisser faire. Et du coup... Il fait que ça, je vais devoir le détruire. Attendez. Ah, du coup, on va récupérer des clous à gogo. On va tout redéposer parce que sinon, moi, en fait, mon habitude, c'était de... tout ce que j'avais dans l'inventaire, je le foutais dans le broyeur. Mais en fait, ça va nous servir pour plus tard, je pense. On va devoir tout conserver. Et surtout, on va devoir attendre les 50 plaques qui vont devoir sortir de là. Donc là, on en a, ouais, déjà fait 4. C'est pas beaucoup, hein. 5. Non, 4. Cinquième est en route. Voyez, c'est ça le problème, c'est que ça, c'est 5. Seulement 5 par minute. C'est horrible. En attendant, je vous propose, on va aller sur un petit tour. Normalement, je sais que là-bas, il y a une donnée. Que je vous montre quand même comment on fait pour récupérer les données pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui débutent sur le jeu. C'est tout au fond. En plus, au niveau de ça, vu que c'est des épaves, bon, là où est-ce qu'on s'est fait éjecter, il y avait quand même le vaisseau qui a perdu des pièces, on va dire. Donc des données, des blocs, un petit peu de tout. Ou à moins que ce soit les expéditions passées. Qui ont foiré. Ça va, peu importe, hein, choisissez votre détail. Donc là, il y a le charbon. Ce que je veux, c'est ça. Comme ça, on va pouvoir booster un petit peu nos trucs. Et du coup, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est ici. Et nous, elle devrait être dans le coin, quelque part ici. Je sais plus exactement où, hein, j'en suis désolé. Allez, voilà. Donc là, vous voyez, il y a l'épave ici, le caisson. Hop, on va prendre tout ça. Et voilà, donc il a besoin de 50 watts. Là, c'est ce qu'il me dit, hein. J'ai besoin de 50 pour pouvoir ouvrir. Donc certains, ça va être de la ressource. D'autres, ça sera des watts. Donc il va me falloir un brûleur de biogaz. Enfin, ouais, de biogaz, de biocarbu. Et on va devoir l'alimenter juste quelques instants. Le temps d'ouvrir la porte. De prendre le contenu. Donc de prendre le disque qu'il y a dedans. De le ramener à la station de recherche et après on est tranquille. Oh, 1, 2, 3, 4 cadeaux, mais il y en a qui sont aussi dans un coin toxique. C'est génial. On va se prendre tout ça parce que j'ai pas fini de faire les bouboules encore, j'ai pas fini, tout fini en fait. Ça aussi. Par la suite, ça nous fera des inhalateurs pour se soigner.
Donc si on regarde bien les brûleurs biogaz, on va pouvoir s'apercevoir d'un truc, c'est que eux ils nous produisent c'est 30 mégawatts, sauf qu'on peut les booster grâce au grâce à ce que j'ai déjà, ce qui est pas mal. Enfin, quand je dis ce que j'ai déjà, c'est grâce aux limaces. Hein. Merde, j'ai pas pu l'avoir. Normalement, il y a un point pour monter sur cette machine, voilà. Donc du coup, il va nous falloir ça. Non, c'est là. 15 ici. Ça sera un stack de 200. Pas le choix. Et toi, tu en es... Bah voilà, il a fait la moitié. C'est parfait. Donc le brûleur de biomasse, bon, on va l'installer. On va récupérer la donnée et on va l'extraire. Donc ça, de toute façon, peu importe la partie où est-ce qu'on est, c'est toujours le même endroit en fait. C'est pas un peu con, mais au moins, si on en commence une autre, comme moi c'est le cas, on n'est pas dépaysé. On sait déjà où les trouver. Après, il y a aussi l'expédition qui nous fait un. Oh, tiens-toi, je te veux. Les sphères de Mercer. Et les Summer Sloops, c'est mes préférés parce qu'ils nous parlent. Toi là-bas, tu viens, on va t'ouvrir tranquillou. Ah non, t'aimes pas ça, hein. Dun dun dun. Je sais pas si... Est-ce que j'ai pris des câbles? Ouais. Aïe, ah, j'avais pas pensé à ça. Et ça à la limite, je préfère avoir ma biomasse que avoir cette merde. Alors du bois, c'est pas terrible. Quand celui-là, je me souvenais exactement où est-ce qu'il était. Il y en a plein d'autres comme ça qui traînent. Il y a des cadeaux encore. 1, 2, 3. Ah, ça va, c'est sur le chemin. Enfin, il y en a deux qui sont sur le chemin, le reste non. Il y a celui-là et celui là-bas. Il y en a même un là-haut. Je l'avais pas vu celui-là. On peut même pas l'attraper pour vous dire. Bon bah c'est pas grave hein, pour l'autre là-haut. On va prendre seulement celui-là, on est déjà quasiment à 1000. Hein. Ah, jaune. Pendant bleu, est-ce que t'as fini ton boulot? Toujours en prod, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Donc on va se faire la recherche tout de suite. Parce que si ça se trouve, ça va être un truc intéressant ou pas. Donc ça, malheureusement, c'est toujours 10 minutes d'attente. C'est morbide. Tout déposer parce que là, le problème, c'est que... Regardez. Ma plus de place dans l'inventaire, c'est horrible. Et d'ailleurs, j'ai vu des... Ah oui, les ballons, ils étaient là.
Ah, le truc qu'il faut que je vérifie, c'est... Ouais, ici on a les deux là. Qu'on peut produire, mais... Par contre, je sais pas encore comment faire les autres boules. Donc je vois là où est-ce qu'il y en a. Ok, ici il y a tout ça, mais c'est pas ici. Il doit y avoir un palier que j'ai dû rater. Mais si, il y a bien ça, mais ça je les sais pas. Même regarder ici, on ne sait jamais. Hein. Et là, ouais, il n'y a pas de fixit. Enfin, les fixit, c'est seulement ça, les feux de joie, feux d'artifice, il n'y a que ça. Y a pas ce que je veux. Par contre, on a les 50 plaques. Du coup, toi, c'est rien que tu nous pompes de l'énergie pour rien. Et là, les amis, c'est mon truc favori, ça. Par contre, je sais plus dans quel sens je l'ai mis. Faut que je trouve la plateforme de lancement. Comme par hasard, j'aurais dû faire l'autre chemin, ça aurait été bon. Voilà, la plateforme. Donc, send. Et de send, on va attendre que voilà. Et là. Ça se charge, ça se charge, ça se charge! Et. Envoyé. Donc voilà la première phase de l'ascenseur orbital. J'adore quand ça me l'envoie en haut. Et là, on vient de débloquer deux jalons supplémentaires. Ça, c'est trop cool. Je kiffe l'envoi de l'ascenseur orbital. C'est même plus jouissif que de voir ce truc-là décoller. Oh, je déconne, c'est plus sympa. Donc ici, eh ben voilà, centrale à charbon, les amis. Production de l'acier. Ici, nouveau pack de produits à la boutique. Emplacement de main et ainsi de suite. Foreuse de niveau 2. Les tubes. Ça, je connais pas par contre. Modèleur fixite, je ne connaissais pas. C'est nouveau. Donc on a l'ondeur. Oh, ça va être génial. Il me faut ce. Il va me falloir des trucs là. Mais déjà. Il va nous falloir ça. Et ça coûtait cher. Mais dès qu'on l'a, on est peinard en fait. C'est ça le truc. C'est le pire, c'est qu'on sera tranquille parce que là, ça, si je fais les 50, je fais les 150 plaques. Ça veut dire qu'on se débloque la centrale à charbon, donc plus d'énergie, plus de puissance. Et d'un autre côté, je vous cache pas que le Hondeur m'intéresse énormément lui aussi. Mais on va d'abord taber là-dessus. Donc là, ça va être pas chiant à faire, hein. Je vous le cache pas. Ça va pas être chiant. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Quitte à ce que je le produise moi-même ou que j'envoie ça dans la machine. Hein. Peu importe. Oui, il faut que je les transforme d'abord. Donc il nous faut 300. Ça va aller vite. Allez, super vite! Ouhouhou. Par contre, là, le problème, c'est que je vais devoir construire ma plateforme autrement. Je viens de m'en rendre compte. Je sais comment on va se démerder. Et le problème, c'est qu'il va me falloir quand même le béton armé. Enfin, les poutres renforcées plutôt. Donc, ça veut dire du charbon, si je dis pas de bêtises, plus des plaques. Plus les presses et ainsi de suite. Vous allez voir, ça sera excessivement bien parce qu'on a du T3 pour commencer. Et moi, c'est direct T3 que je veux. Donc, c'est 300 qu'il nous en faut. On a peut-être les. Non, même pas. Ah, quoique. Ça ne va pas en être très loin des 300.
Ah, on en était pas loin. Hein. Ah là, j'en ai pas comme par hasard. On a déjà posé ça. Hein. On était pas loin. Ça, c'est bon. Les plaques renforcées, c'est des plaques plus des clous. Ça allait tellement vite. Parce que là, si on fait ça, ça nous en fait 12, ça fait 75. Donc des plaques. Des clous. Sachant que les clous, on les fait tellement booster, hein, ça ira vite. Et c'est 150. D'ailleurs, par la suite, il y aura un schéma qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas vu le schéma tout à l'heure? 2 minutes. C'est long. C'est juste long. Donc on a ça. Moi, je peux faire les rotors manuellement à la rigueur. Gagner du temps. Hein. Donc des tiges. Comme ça on gagne du temps, en fait sur tous les plans on va gagner du temps. Pendant que lui il va me faire le plus long, moi je vais me faire le plus simple. Et une fois que tout ça en fait c'est fait, donc là on en est à 40, il m'en manque 10. Ça se trouve c'est ça qui me manque. Même pot. Ah non c'est des clous. Ah, une fois qu'on a l'énergie, les amis, je vous cache pas, on fera quasiment plus rien. On aura juste à venir collecter les ressources qu'il nous faut. Espace insuffisant de stockage, oui. Ça, j'avais pas vu. Ça et ça, on va le laisser. Hein. Donc, tout ce que je fais là, actuellement, quand on aura l'énergie suffisante, hein, ça veut dire qu'on aura assez de charbon, assez de tout. Tout ça on oublie, on le fait plus. On aura juste à collecter les ressources selon ce qu'on veut faire. Et puis c'est bon. Sachant que par la suite on va aussi avoir les trains, les drones. J'avais oublié les drones, oh ça va être génial de les avoir. Là, les 50, il nous manque les 150 plaques. Et les plaques, on peut aider à la rigueur. Y a pas de problème là-dessus. Plus vite on les aura, plus vite on aura l'énergie pour. Ah, recherche finie. Alors, ici, il nous propose quoi? Du cuivre. Attendez, c'est du métal plus du cuivre égale ça. Sauf que là, on peut transformer ça. Non, ça, ça serait plus avantageux pour en avoir deux d'un coup. Donc, des clous plus des plaques. Parce que sinon, c'est quoi? Attendez, on va regarder vite fait. Donc ici, c'est ça et plus ça. Ça fait 12. Mais là, je peux en avoir deux. Je serais limite tenté de prendre ça.
Que là, on peut prendre, attendez. Alliage de cuivre alternative, mais ça, c'est du métal plus du cuivre. Ça nous coûte plus cher, en fait. Mais c'est 100 par minute? 22,5 par minute, mais là, on en a 100? Je vais plutôt choisir ça. 22,5, parce que là, la machine, elle en produit combien? Ouais, là, elle est boostée, elle va jusqu'à 75, mais non boostée. Je crois que c'est 15 par 15 par 15. Mais je vais pas me servir de ce schéma-là, il est un petit peu empoisonné, j'ai envie de dire. Allez déposer tout ça. Déjà 40. Prendre ça. Ah, c'est un peu le bordel, mais bon, je m'y retrouve, hein, vous en faites pas. C'est plus ou moins un bordel organisé, on va dire. Je pense que j'aurais dû rechercher directement les rails T3. Enfin, les rails. Les tapis roulants T3, ça aurait été plus facile. Plus rapide à la décharge dans les stockages, plus rapide pour venir. Plus rapide en tout, en fait. Il m'aurait fallu les machines et ça. Ça, les machines, je les sais pas. Ce que je vais faire après avoir eu ça. Après avoir eu ce jalon avec l'alimentation au charbon, on va s'arrêter un petit peu. Donc, laisser le temps de tout faire. Limite couper le jus. Mais il va me falloir aussi les caissons T2. Donc on va d'abord se faire les caissons T2. Puis après on va tout couper. J'ai récupéré toutes les biomasses, tous les brûleurs. On va les emmener à un autre endroit. Parce qu'ils vont nous les falloir pour d'autres trucs, d'autres tâches plutôt. Et après on verra bien. Prendre tout ça. Ah, ici il va nous en falloir. J'ai ramené des clous. En quoi, vous voyez tout ce qu'il y a sur le tapis roulant, en fait, ça aurait déjà pu être stocké là-dedans. Mais vu la lenteur de la machine, voilà quoi. On est un petit peu en train de galérer. Donc là, faut vraiment que j'aide ma machine. L'avantage, on a déjà plus de la moitié hein, de ce qui est demandé. Donc là, on en a 100 plaques. Plus que 50 à faire. Donc là, plus je vais en faire moi-même, mieux ça sera. Ça fera plus que 30. On va se les faire et j'espère que ma machine les crachera.
Je vous cache pas, ça m'arrangerait. Donc je vais vous montrer par la suite où est-ce que je vais mettre toute la structure énergétique. Je vais avoir une tonne de place pour tout vous dire. Et je vais largement en profiter. Le seul truc qu'il y a, c'est est-ce que j'aurai assez de charbon? Ça va être l'autre question. Alors combien que ça nous en fait? Ah non, il en reste que 20? On a ce qu'il faut. Celle-là, on va l'arrêter. On a ce qu'il faut. Lol. Donc là, c'est 20 pour 10 pour 30. Attendez. Déjà, on va faire ça. Parce que là je vais en faire deux quand même hein. Pas comme. Après on va voir la suite. J'ai 192, ouais, il va nous manquer ça. Bon, déjà, j'ai... Ouais non, j'ai même pas de quoi faire à deux. Je vous cache pas, on va s'en faire une pour l'instant. Ah là, les rotors. Rotors, je mets pour. Ouais. Wow, on n'a pas ce qu'il faut. Du coup, on va juste en mettre une seule. Comme ça, je serai un peu moins dépravé par la tâche qui m'attend. Les clous. Les tiges. Je sais plus ce qu'il me fallait de plus. Bah c'est bon, on a des 10. Bon, les câbles, j'en fais volontairement plus. Parce qu'il va falloir que j'alimente depuis l'usine. Enfin, depuis la maison qui est ici jusqu'à la première foreuse. De la première foreuse, il va falloir que j'alimente aussi directement, que j'aille chercher l'énergie que j'aurai auprès de cette machine là. Sauf que c'est pas tout hein. Il va nous falloir aussi de ceci, donc la tôle avec du cuivre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, et ça va être le gros bordel. Donc du coup, dans le prochain jalon. Et ça j'en veux pas. Ça non, ça non. Ça oui. Ça qu'il va nous falloir ça. Et pour avoir ça, il nous faut. Je crois que c'est jalon 3. La fonderie avancée. Le titre. Ça. Le lingot de titane. Ça va être génial. Donc on va arrêter pour le moment de la construction de ça. Plaque plus béton et je vais mettre à bâtir un petit peu. Enfin, là il faut qu'on avance aussi. Parce que là le problème c'est qu'il faut que j'arrive à monter là-haut. Et pour le moment, j'ai pas d'escalier, comme vous avez dû le voir. On a les fondations qui sont là. Les murs. Et en architecture, on a que ça. Voilà. Et moi là-dedans, il va me falloir quand même ceci. Et j'ai escalier.
Ah, il faut quand même qu'on monte, hein. Donc du coup, donne-moi mes 5 tickets. Et avec ces 5 tickets, bah, vous savez ce qu'on va se prendre, hein. On ajoute au panier et puis pouf, c'est fait. En architecture, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On aura les garde-corps à la rigueur, qui coûte 1. Les passerelles aussi. Donc ça, on va hop, panier. Donc il nous reste 3 coupons, ça veut dire 2 coupons. Plus de coupons. Voilà. Et du coup, voilà, on a les escaliers qui sont là. Et nous, on va les prendre comme ça parce qu'il va falloir qu'on les fasse descendre depuis là-haut. Donc du coup, il va falloir qu'on se crée une plateforme ici. Ça va être le problème parce que j'arrive pas à clutch en bas. Je veux qu'elle vienne d'en bas. Mais bon, on va faire ça comme ça. Oh. On va prendre celui-là. Hein. Ah, elle se met pas là où est-ce que je veux. Voilà. Et de là. Non, si, si. Ah ouh. Bon, encore là, je me prends pas de dégâts, mais on serait plus haut. Ça aurait pas été la même. Faudrait que lui, je l'accroche là. Il me semblait qu'avant je pouvais le mettre là. Ici. Mais bon, ça ne le fait plus. Ça fait plus comme avant. Après, on va mettre des garde-corps là-dessus. Pas de m'écraser comme une merde en bas. Il nous reste encore 7 étages à cingler. Non, toi tu dois pas y être. Fonda, 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 oui. Voilà, j'ai celle-là. Ils sont très bien adaptés d'ailleurs. Là, ça fait un petit effet bizarre, mais bon, ça devrait aller. Ensuite, alors,
Et quoi, c'est ça, les garde-corps ne tiennent pas ici. Sur cette plateforme-là, ça tient pas du tout. Mais bon, au moins ça me permet déjà de monter là-haut. Oh merde, elle s'est pas construite. Ok, là-haut, au-dessus, il y aura notre usine, tranquillou. Je vais faire deux escaliers, comme ça on sera peinard aussi pour monter. Faut pas que je monte trop vite, par contre, je pense. Hein. Que je regarde comment on peut se débrouiller pour ça. Et si je le fais trop ressortir, ça va pas aller. On pourra même plus passer. Ah non, là c'est bon. On se fait ça tout tranquillement parce que sinon je vais me presser et puis je sais que je vais rater des... voilà comme ça. Alors on va s'arrêter ici, bon ça devrait être bon. Donc on a le générateur à charbon, ça c'est réglé. J'ai la première des deux foreuses. Non, attendez. Non, c'est ici que je suis en train de faire des bêtises. Donc il va nous falloir ça, il va nous falloir une pompe à flotte. Ah, elle nous en crache pas, c'est ici. Pourtant là, ça c'est à bloc. 30. Ah oui, on était au-dessus. Donc là c'est 37,7. Enfin 37. Bon, on est à 45, c'est bon. Pour ici ça va aller. 25 par minute et toi tu en crushes 30. En 25. Tu vas te mettre là. T'as 28. 31. Trente. 29, voilà. Pile là. C'est le bon. Comme ça, on en a 127 par minute qui arrive.
Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut? J'ai 60, j'ai des plaques. Il n'y a pas ce qu'il faut. Ça va prendre beaucoup parce que là, il va falloir qu'on aille assez loin. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ont, parce que j'en ai eu par le passé qui m'ont dit ah j'ai du mal avec l'énergie, du moins l'énergie aquatique hydraulique plutôt, à faire rentrer dans la centrale à charbon. En fait il y a un moyen tout con, c'est que les trois premières vont pomper toute la flotte, les trois suivantes n'auront rien. Donc pour ça il faut faire une dérive à chaque fois. À moins qu'on aille les papes à 600. Sinon voilà quoi. Sinon c'est un petit peu le bazar. Et puis pour régler ce problème là, il n'y a pas de solution. Oh, on dirait qu'ils ont foiré les pixels ici. Peut-être falloir utiliser de la TNT pour tout ça. Enfin bon. Alors non, on va prendre les plus petites. Hein. On va orienter ça par là-bas. Et du coup, le gros chantier commence maintenant. Avec là, il y a beaucoup de flotte, on va en profiter. Hein. Donc là-bas, je sais qu'il y a beaucoup d'eau. Donc nous, on va pouvoir implanter les machines par ici. En laissant des allées, bien entendu, pour que les autres... Enfin, pour que les tuyaux passent.
Là, j'ai plus de plaques. Donc, on va faire ça tout de suite. Non. Alimentation. Donc là, on peut faire ça, par exemple. La première machine sera ici. Donc, le pourquoi du comment, il me fallait le tier 2 en termes de stockage. C'est parce qu'en fait, le charbon, parce que je connais bien ces machines-là, elles m'ont cassé les pieds longtemps. C'est que si je mets pas de stockage à charbon, ce qui va se produire, c'est que la machine va produire du charbon, mais dès qu'elle ne pourra plus produire, en fait, ça se stockera nulle part. Donc en gros, dès qu'il y aura des trous de charbon, j'aurai rien pour combler ça, et ça va être le bordel. Et pour éviter ça, justement, bah en fait, je vais mettre des stockages. Là, normalement, ça n'a pas encore claqué le jus, donc sinon, j'aurais entendu le gros splatch. Normalement, ces deux gisements-là sont... je crois que c'est des impurs. Là aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas les utiliser. Et on ne va pas les utiliser, surtout. Alors, ce qu'il me faut, c'est les gisements purs qui sont... Enfin, normaux qui sont là-bas. Je vais vous montrer ça, justement. Parce que je sais que là-bas, il y a les deux gisements qu'on avait croisés tout à l'heure, c'était des gisements normaux. Je crois même qu'il y en a un qui est pur, je suis pas sûr. Là, on a le minerai de fer normal, et tout ça, là, tout ce qui est normal, pur, on va s'en occuper. Les impurs, je vais m'en servir pour autre chose. Et là, normalement, ces deux-là, ils sont de bonne qualité. Ce que je compte faire, c'est utiliser trois gisements. Celui-là, il est normal. Celui-là, il est normal. Juste faire gaffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà planter cette machine-là. Ah, j'ai pas les... C'est con. Bon, on va retourner à la maison. Enfin, à l'usine plutôt, chercher ce qui nous manque. Et t'empêche, ça se voit de loin. Hein. Ça se voit encore plus loin quand j'aurai terminé. Et là, mon taser te veut. Donc, reste de sanglier. Après, il va falloir qu'on aille chercher l'autre bestiole aussi. Et ça va être plus compliqué parce qu'elle crache. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai ce simple taser là. Et c'est tout petit. C'est pas du tout ce que j'aime. Je pense aussi que les escaliers qui sont là, je vais me faire plutôt une pente, une rampe, parce que c'est moche. C'est moche comme ça, je vais me faire une rampe. Donc on va se mettre la rampe, je sais pas du tout comment. On va se faire... tiens, une rampe avec ça. Le but c'est d'arriver là-haut. Non, ça marche pas.
Et là, ça s'est fait. Et normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, je peux les mettre là. Voilà, comme ça on a une vraie rampe, une belle rampe surtout. Pas un truc qui était dégueu comme avant. On peut se laisser glisser tranquillou. Donc prochain truc, il va nous falloir des feuilles de tôle. Elles sont... Voilà, donc deux cuivres pour faire une feuille de tôle, sachant qu'il va nous falloir qu'on fasse les comptes. Donc une comme ça. Ah, déjà ça ajoute pas mal. Ça on va pouvoir se le faire direct. En alimentation les poteaux. En production. C'est bon, et normalement, je crois que c'est en logistique. Voilà, il va nous falloir ça, plus ça, plus ça. Et tout ça, c'est que de la feuille de tôle. Ça va être long. Ok, ça c'est fait. Ah, il n'y a plus de place. On va laisser tout ça dedans, hein. On en occupera plus tard. Ça c'est bon. Bah, il va nous falloir des plaques et j'ai vu du métal ici. Et ça normalement ouais c'est bon pour ça, et pour les retors c'est les clous, enfin, les vis. Comment c'était des clous, c'est pourquoi c'est passé. Ah non, même pas, ça a toujours été des vis. Moi j'appelle ça les clous, pas pourquoi. Plus que 2. Voilà. On a la pompe à eau. Donc là-dessus. Attends qu'on a ça parce que c'est pas tout, hein. Il va nous falloir ça aussi. Plus où est-ce que normalement c'est dans, c'est là-dedans ici. Quoi, s'en prendre deux pour compenser, parce que j'en aurai pas ce qu'il faut. Il va nous falloir deux comme ça aussi. Bon, ça chiffrer tout ça, hein. C'est pas fini, j'ai pas tout récupéré encore. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On va laisser ça. Ça. Il nous reste encore un coupon ici. Bon, le béton, il va me le falloir. Les tiges, il va nous les falloir. Les câbles, c'est bon. Bah, du coup.
Ce qu'on va faire, c'est prendre l'alimentation. Trouver un poteau qui soit pas full. Je pense que celui-là, ça devrait être bon. Et là, bah, ça va être la lutte. Il va falloir ramener un an, quoique. J'ai pas encore les autres. Il me faudrait les tiers 2 de ces poteaux-là. Toi. Et toi, vous venez avec moi. Et là, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je tente toute cette maudite ligne. Jusque là, où est-ce qu'on avait les premiers gisements de charbon. Donc, notamment, on peut regarder aussi ce qu'il y a ici. Ah, c'est du pur. Donc là, c'est un pur, c'est parfait. La ligne, elle passe plus à côté. Hop. Ah ça, il nous reste encore de quoi faire. Donc nous, les gisements, ils sont en dessous là. C'est parfait. Bon, déjà, on en a un. Donc premier shoot d'alimentation, on va pouvoir alimenter au moins. Je pense qu'on va se taper le pur d'abord. Je vous ai pas dit, ils sont aussi durs à tuer. Normal. Et ça c'est le normal, ok. Peu importe lequel on va prendre en fait. Donc on va commencer par celui-là. Du coup, ça c'est réglé. Et de là... De toute façon, on va se faire des raccords, alors ça devrait aller. Par contre, j'ai pas pris assez de plaques. Et nous, si je dis pas de bêtises, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Ah, j'ai pas pris assez de plaques. Attendez. Oh, déjà, on va tuer la bébête là. Ah t'aimes pas ça hein. Écoute taser ça fait jamais de bien. Ah c'est là-bas. Comme quoi je faisais bien une bêtise. Par contre, la flotte va me gêner un petit peu. Ok, plus de plaques. Quand j'en avais pas pris assez, je m'en doutais. Putain, les araignées elles me suivent. Ça, il me faut un meilleur taser. Rien qui fasse plus de dégâts. Pas le choix.
C'est vrai que pour tout ça, il va aussi me falloir des plaques de fer. Il va falloir que j'en prenne. Ah, les stacks qui me manquent en fait. Oh, j'ai oublié ça. En plus des plaques, faut aussi que je ramène les lignes. On va prendre la plus proche. Nous, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Bah, on va prendre celle-là. Ah déjà c'est bon, il y a du charbon qui arrive. Mais un peu grand quand même. Alors, je déconne, plus c'est grand, mieux c'est. Surtout que là, l'installation va couvrir là, quasiment toute la flotte. Les moteurs seront eux à l'étage par contre. J'aurais pas dû relâcher le câble. Là. Là. Et je pense que par ici. On va se faire passer le. Oh, vous allez voir. En plus simple. Voilà. Donc déjà on va se monter les machineries ici. Donc la flotte elle est à droite de ce côté-là. Donc va falloir que j'aille de l'autre côté. Génial. Je vais zapper ça.
Normalement, une, c'est bien pour alimenter. C'est bien assez suffisant. Par contre... Ouais, toi, ça sert à rien. Donc je vais mettre là. Hein. Monsieur Goury. Le problème, le vieux bug, je connais celui-là. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas sortir de là, à moins que je prenne une échelle. Ah le vieux, ça m'agace ce bug. Par contre là-bas il y a un truc qui m'intéresse, j'aimerais bien le récup. Logistique, est-ce que j'ai les échelles? Parce que si j'ai pas les échelles, c'est foutu. Enfin, quoique, attendez, j'en avais pas vu une là-bas. Ah, si elle est là. Avec celle-là, je la récup. Il y en a même deux à la flotte ici. Celle-là, je vais essayer de les attraper. Si on peut. Comme ça, ce qu'on va pouvoir faire ici. Déjà. Voilà. Et voilà, il n'y a plus d'énergie. C'est vrai qu'il faut que je mette vite fait ça en place et que j'en mette plein d'autres derrière. Parfait. Ok, donc dès que ça sera bon, l'alimentation en eau va arriver ici. Et là, c'est les questions qui c'est avec ça qu'il va falloir bosser.
Ah, c'est le béton qui manque, c'est juste ça? Ah, si de là je peux attraper là-bas. Ah, il me manque pas grand-chose, hein. T'as le même 4-3, je pourrais pas faire ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Ce serait impossible. De béton. Après, il va nous falloir un système pour remonter. Donc, je pense que de là, on va avoir des colonnes ici dans les structures. Ah là, les piliers. On peut en mettre quelques-uns. Passer limite au-dessus de ces deux obstacles-là. Ah bon, je sais pas encore. Je le cache pas, je sais pas encore. On est là hein, pourtant, on n'est pas loin. Vraiment, on n'est pas loin. Donc déjà, si les tapis roulants peuvent m'acheminer ça jusqu'au bon, au fond. Je vais peut-être même... Ah, s'il va me falloir l'énergie pour ramener encore du charbon. Et déjà, on va, dans un temps, on va seulement le ramener, le stocker. Puis on va voir la suite. Donc dans les tables de cuivre, on va éditer, on va supprimer toute la tâche. Hein. Il n'y a plus rien à voir là-dedans, pour l'instant. On va se faire de la biomasse avec. Donc ouais, il y en a deux qui sont arrêtés. Trois qui sont arrêtés. Quatre. 5, 6, ok. Donc là, c'est pas ma priorité, de toute manière, je vous le cache pas. Je vais seulement finir d'abord la première ligne. Parce que, en terminant cette ligne-là, ça veut dire que certains générateurs qui sont là ne sont plus actifs. Ils ne serviront plus, en fait. On va pas se cacher. Ils ne serviront plus du tout. En attendant, on peut faire ça. Ah oui, ok, ça claque encore. Organisme extraterrestre, ici on en a deux, il nous en fallait un, ici on en a deux aussi, il en faut qu'un. Et ici, ça on l'a pas encore trouvé.
Et ça ne m'intéresse pas pour l'instant. En souffre, on n'en a pas. Et en fixit, bah, je suis toujours coincé là-dessus. Très bien. Donc là, on a ça. On va le splitter en deux. Je vous cache pas, à la fin, ces trucs-là ne me serviront plus du tout. Ça va être un gros soulagement. Il me reste... Ouais, 300 de métal, ça devrait être bon. Ah, j'espère. L'espoir fait vivre, les amis, l'espoir fait vivre. Comment on dit? De toute façon, si j'en ai plus assez, je pourrais toujours venir en rechercher. Mais arriver à la deuxième centrale nucléaire, enfin la centrale à charbon, si on en a deux, c'est bon. Si on en a deux, ça veut dire que toutes les machines que j'ai sont remplacées par ce qu'on va avoir en charbon. Et le seul truc qu'il va falloir, c'est qu'on mette plus de centrales que ça. Ça veut dire plus de charbon encore qui devra arriver. Ça va devenir monstrueux. Ça, le problème, c'est dès qu'on nage, on ne peut plus rien faire. Hop, ah, ici, ok. Ok, ça passe entre tout, c'est parfait ça. Et du coup, ça vient ici. Ah, mais comment faire pour descendre? Ce qui pourrait se poser la question. Le faire aussi naturel que possible. Maintenant, plus qu'à voir ce qui va se produire. Normalement, ça devrait arriver, le charbon. Donc, il va se stocker en un temps. On va aller directement au fond. C'est vrai que le charbon là il va être lent à venir. Pour ça on va le faire tourner que sur une seule centrale. Par la suite on en mettra plus de centrales. Hein. On va attendre. Hein. Il n'y a que ça à faire. Ah, dès qu'on aura tout ça en tier 2, enfin en tier 3 ça va y aller à fond. Hein.
Là, il est où le charbon, là, sérieux? Prends tout son temps, ce couillon. Ah, je crois que je le vois là. Ouais, donc pour la suite, il va falloir que je prenne un de ces, les deux gisements impurs qui sont là. Peut-être un seul des deux d'ailleurs. Ça devrait être suffisant. Avec une fosse tier 3, ça devrait être bon. Et que je ramène de l'autre côté pour faire des poutres en acier. Parce qu'il faut du charbon et du métal, il me semble. Enfin, je me souviens même plus, mais il me semble que c'est un truc dans le genre. Il va falloir qu'on mette les tapis roulants en tier 3. Hein. Bon allez, c'est parti pour le tier 3 les amis. Hein. Pas le choix. J'en ai marre que ça soit lent. Donc tapis roulant palier 3 normalement. Ah là c'est ici. Déjà on va mettre ça, ça et ça. On va y mettre les rotors ici. Donc les tiges, les clous. Attendre au moins 5 minutes je pense pour que tout le charbon arrive. D'ailleurs on va aller voir où est-ce que ça en est. Une fois que le charbon est arrivé, la centrale ne s'arrêtera pas là-bas. Ça continue de miner, 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 miner. Et moi je serai tranquille, 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 tranquille. Oh, j'ai dû prendre sa carapace, je crois. Pas grave. Donc ouais, du coup. De toute façon, on peut pas allumer tout de suite, ça servira à rien. Par contre, je peux prendre ça à la rigueur. Commencer à en mettre dans la machine. Histoire de pouvoir déjà avoir un petit ratio et commencer à le faire tourner. Mais si je le fais, je sais ce qui va se produire juste après. C'est pas ce que je veux. Ah, quoique, on va pas avoir le choix. Hein. Il va falloir qu'on lance la machine le plus vite possible. Parce que là, il y a quoi? Il y a qu'un seul charbon qui est là. Enfin, tout le charbon est là. Regardez la vitesse parce qu'il avance. Oh non de Dieu, ça, il me faut vraiment le tier 3. J'ai le tier 3, c'est. Ça allait tellement vite.
Par contre, on va avoir aussi un trou. Hein. Je vous le dis tout de suite. Dans tout ce qu'on est en train d'acheminer, il y aura un trou. Donc ça fait 3, 6, 9. Ouais, non, on est à 100. Attendez, je vais regarder ici. À combien on en était? On était à 108. Ok. Avec la machine, j'ose même pas vous dire combien on sera. Là, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'eau au moins? Ouais, ça fluctue. En fait, faut pas se fier à ce qu'on voit là-dedans. Parce qu'en fait, ça fluctue. C'est les mouvements va-et-vient entre les deux pompes. Ok, s'il y a ça. Et regardez. Là, elle est pleine. Et elle nous produit 75 mégawatts. Je peux la booster, hein. Je vous le cache pas. Elle va nous produire 75 mégawatts. Ça va en remplacer deux machines de l'autre côté. Ah, dès que j'en ai deux, ça ferait 150. Ça nous en fait 4. Non, 5 brûleurs de biomasse de remplacer. Ça veut dire que je pourrais remplacer toute la collecte rien qu'avec deux générateurs à charbon. Et encore, je peux booster celui-là. Ce qui n'est strictement pas le but. Regardez qu'on se max. Ça tombe bien. Donc la capacité, on est à 175 et la console est de 150. Donc en gros, avec 3 machines, je fais tourner l'ensemble de mon installation. Et c'est ce qui va être fait, hein. Mais il me faut des tapis de tier 3. Donc là, c'est la première collection. Donc ça va sûrement claquer entre deux, ça je le sais. Le temps que tout arrive. Hein. Après, je vais remplacer la première ligne que je remplace, c'est la ligne charbon. Une fois que la ligne charbon est remplacée, on s'occupe des autres. Regardez-moi ça. Ça va seulement arriver ici. Alors que derrière, il n'y a rien pour en ramener plus. Quoi aussi, je vais me faire les véhicules parce que venir ici, c'est galère. C'est galère de venir ici à pied. Donc là, il y en a plus de 300, peut-être 400 de charbon ici. Dans toute la ligne qu'on est en train de passer. Ce qui va nous permettre d'avoir pas mal d'énergie pour un temps. Mais là, pour le coup, merde, je voulais pas tomber. Donc, où est-ce qu'il va falloir? Ouais, il y aura les véhicules. Déjà, je peux récupérer un petit véhicule fixite, moyennant des tickets. Et c'est pas ce que je veux. Ou sinon on va s'en construire des tracteurs, des véhicules. Et déjà il faut qu'on finisse le jalon là. Pour avoir l'acier. On a l'acier, ça veut dire qu'on a les tapis roulants niveau 3. Une fois qu'on les a au niveau 3, directement la ligne métal je la remplace. On la refait. Enfin la ligne charbon je veux dire. Donc là, ça va être le but, c'est la ligne charbon, elle doit se faire complètement up. On doit ramener aussi des centrales à charbon supplémentaires. On doit exploiter ce gisement-là pour avoir les l'acier en fait.
Ce Summer Sloop, on va pas se le prendre tout de suite. Hein. Il y a 2-3 ennemis ici. Enfin non, c'est la sphère de Mercer, ça. Je suis bête. Summer Sloop, c'est le diamant rouge. À la base, vous voyez là-bas, il y a un plan d'eau. J'aurais bien voulu faire dessus, mais en fait, c'est trop petit. Trop petit pour l'installation que moi j'ai besoin. Et que toutes mes machines requièrent. C'est bête, hein. Là, il va nous falloir 150 rotors. Les 4, je peux les faire moi-même, il n'y a aucun problème. Hein, parce qu'il va coûter trop cher. Les câbles. Par les bobines de fil, on devrait avoir ce qu'il faut. Ah bah oui, bobines de fil. C'est réglé. Non, c'est là. Les cadres, les cadres, les cadres. Bah 10. Ah oh, c'est parfait. Je pense qu'on a ce qui... Non même pas, attendez, c'est combien? C'est 50. Bah en fait on les a. Hein. Limite on les aura. Voilà, 45, nickel. Ah oui, non, c'est 2 pour 1 en fait, je crois. Oh, si c'est ça, j'en ai pas assez. Attendez, c'est 2 points ou je sais même plus. Ah non, c'est 3 plaques. Oh, aïe aïe aïe. J'ai mal compté. Donc là, ça nous en fait 30. À peu près 30. Ouais, je sais même pas combien. Déjà, on est à plus de 30. Ouais, 40. 40 et quelques. Ça devrait aller. Bon, je vous cache pas que la dernière fois quand je l'ai fait, j'étais bien plus avancé en termes d'énergie. Et j'avais triard le palier 2, le palier 1 pour avoir déjà tout ça. Là, c'était pas le but. Hein. Ouais, déjà 40. Hein. Combien? Ah non, 50. Il y en avait déjà 10. Bah, c'est parfait. Maintenant, plus que les rotors. On va veiller la machine.
Quel cadeau il s'est foutu là-haut. Petit con. Donc là, c'est ça plus les tuyaux. On fait en parallèle, hein. Faut que ça avance. Je vais reprendre pour moi et pour la machine aussi. Avec tout ce que je fais, je pourrais déjà monter plusieurs centrales. Hop, 84. Et toi, ma cocotte, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Donne-moi une bonne nouvelle, 29 en plus. 8. On est déjà à plus de 100. C'est pas mal, hein? Il me faut vraiment tout ça, hein. C'est vraiment le bazar. En fait, sans avoir ce qu'il faut, c'est un petit peu complexe et limite. Parce qu'on n'a pas... Tout ce qui sort des machines n'arrive pas directement dans les caissons et ça me gave. Il y en a qui se seraient arrêtés au tiers 2. Qui auraient fait le tiers 2 pour les tapis roulants, moi pas. Autant passer directement au tier 3, ça va nous coûter trop cher sinon au tier 2. Et tout ce qu'on va investir, on va le récupérer et puis on n'en aura quasiment pas l'utilité. Ça, ça risque d'être un peu bête. Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai pas l'électronique ici. Donc on va se faire un stack de 500 qu'on va mettre dans la machine tout de suite. Et on va s'en refaire après. Enfin ça, ça devrait être bon. Ah il y en avait plus là. Il en fait 10 par minute. Ah, plus vite que moi je pense.
Mais attendez, regarde là, mais... J'en avais fait aussi entre deux. Là, il y a quoi dedans? 15 en plus. Je m'y attendais. Du coup, on va faire un petit truc. On va s'en monter une autre. En fait, je vais pas en mettre une de plus. On va s'en mettre deux autres. Donc ce qui veut dire que les rotors, j'en ai vraiment pas assez. Il en faut 15, c'est parfait. On en a 17 à faire. Donc on va aller jusqu'à 20 rotors, voilà. En câblage, on va aller jusqu'à 60. Vous connaissez le principe de toute manière. Mais là, j'ai pas assez de plaques. Très bien. En fait, si je monte les 3, c'est-à-dire que je suis à 150, ouais, plus de 200 mégawatts. Ce qui sera largement suffisant pour tout alimenter. Seulement, il faut que le charbon soit là lui aussi. Il n'y a pas assez. Ah, quoique là. Non, il n'y a rien. Il m'en faut une, où est-ce qu'il y en aille? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas assez. C'est parfait. On va prendre tout ce qu'il y a là. Hein. Je voulais ne pas repasser par là, mais bon. On va pas avoir le choix. Nous en manque 18 plaques. On a tout sinon.
25. Oh là, il y a du lingot. Parfait. Prévenu la direct, ça aurait été nickel. D'abord finir ça aussi. 14 petits cas. On s'attaque aux plaques, après on fait les plaques renforcées. Allez hop, c'est parti. Il va quand même falloir que je refasse un morceau de la ligne. Là, j'ai pas le béton, c'est un petit peu gênant. Enfin non, c'est pas gênant parce qu'on en a plein là. On va se prendre ça, j'ai pas de plaque. Alors voyons voir, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Parce que là il va me falloir... Non, si, si. Donc il va me falloir un CEPA. C'est comme ça. Et là c'est de la ligne. C'est bon, on va y aller. Sachant qu'il y a un morceau de la ligne que je vais devoir détruire. Ah, quoique non. Je viens d'oublier. Un truc que j'oublie. Et ça, je peux pas passer à côté. Il va nous falloir ça. Si je fais pas de tôle, on peut rien faire. Donc voilà, ça c'est bon.
Ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. La pompe, on n'en aura pas besoin. Du coup, il va falloir que je refasse tout le truc. Tout le système que j'ai déjà prêt au préalable, il va falloir que je refasse. Que je regarde bien. J'ai ça. Ouais, c'est bon. Normalement, ça devrait passer. Enfin, j'espère. Je sais pas si j'ai vu que ça tourne un petit peu, je sais pas si y a ça à stocker. Et ça m'a stocké un petit peu de charbon quelque part. Ça serait le but que j'en aille dans les poches, comme ça je peux directement alimenter les trois. Le temps que ça revienne. Du moins j'espère. Sinon ça veut dire qu'on va avoir des claquages dans le nez. Ce que je veux dire par là, c'est que le jus va pas arriver. Et moi ça va arriver 30 secondes et après plus de jus. Parce que là, faut que ça fasse tout ça. Ouais, non, ça va être compliqué. Il nous faut de la réserve. J'en prendrai bien ici, mais ça va nous mettre une plombe de temps. Attends, il y en a encore plein là. Je vais voir s'il y en a dans les caissons. Si dans le caisson ça commence à stocker, ça, je suis heureux. Sinon, on va tirer un petit peu la gueule. Oui, on dirait que ça stocke. Waouh! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc ça... Non, c'est celle-là qu'il va falloir supprimer. Celle-là, on va se la garder. Quand même que j'en garde, parce que le problème c'est qu'il va falloir refaire ça aussi. Non, celle-là à la rigueur je peux la laisser. On va se copier ça. Putain, le cadeau qui me gêne. Là, et du coup, on va venir là, là.
Ça c'est chiant, faut que je fasse le tour. Ah, c'est ça qui va être chiant. C'est qu'il faut que je fasse une pile. Que je mette un répartiteur de convoyage. Ou attendez. Attendez, j'avais ce qu'il fallait? Oh, ça se fait que j'ai plus ce qu'il faut. Spécial. Est-ce que c'est... Comme ça, le charbon il arrive. Bah, c'est ça qui est con, c'est qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Il va falloir quand même que je rebalance les machines. J'aurais pas dû sauter encore une fois là-haut. Faudrait que je construise carrément tout ici. Pour éviter d'à chaque fois de devoir faire quelque chose et de le regretter. Normalement, c'est le temps de pomper un tout petit peu d'eau, si je dis pas de bêtises. Donc là, il n'y a rien. Aïe aïe aïe. Faut vraiment que j'arrive à faire que ça pompe un tout petit peu d'eau. Pas de bol. C'est pas grave, on va faire de la biomasse et du biocarburant. Pourtant le MK2, enfin le MK3 est à portée de main quoi. Même pas pourquoi je mine.
Ah oui, elles se sont toutes arrêtées. Pour s'arracher de la biomasse. On peut faire de la biomasse plutôt. Allez. Non, elle est partie un petit peu de partout. Ça veut dire que mes machines se relancent et après je peux directement couper celle-là. Faudra qu'elle maintienne encore un petit peu parce que y a un petit problème là-bas. Donc si on arrive à lancer les machines, c'est bon. Si on arrive à faire les rotors, c'est encore mieux. Mais là, ça va être le challenge, ce sera les derniers rotors qu'il nous faut. Après l'énergie, je vous cache pas, on va avoir un bon seuil. Parce que là, on consomme que 150. On va en produire plus de 300. Enfin, plus de 200 déjà pour commencer, c'est un bon début. Mais il faut que ça se maintienne. Donc le charbon, il faut qu'on monte la ligne au tiers 2. Pas au tiers 3. Juste pour le charbon. 1, 2, 3. Donc on va pouvoir alimenter 4 machines d'un coup. Celles-là, elles ont ce qu'il faut. Celles-là aussi. Toi, il t'en manque. Toi là. Toi. Ça devrait être bon. Donc là, regardez, 156 mégawatts pour l'instant. Et ça, normalement, ça devrait pas tarder. Voilà, on est à 265 mégawatts. Et on n'en consomme que 137. C'est pas beaucoup, hein. Et normalement, là, le temps que le charbon arrive, j'espère... C'est un espoir de fou, hein. Je vous cache pas. J'espère avoir déjà les rotors qu'il nous faut. Parce que derrière, il va falloir qu'on monte. Ce qui. Il va falloir qu'on monte les autres usines. Enfin, qu'on monte les autres machineries. Après, on montera l'usine complète. Et ça va être autre chose. Est-ce que je peux faire des rotors de mon côté? Un petit peu. Et vous allez voir après la vitesse des tapis, ça va être plus impressionnant. Et maintenant, là pour le moment c'est de la gnognotte. Ça tout doucement, ça a deux tensions. Mais ce qu'on va voir par la suite, ça sera tellement bien. Et surtout je pourrais relier toutes mes machines. Là tu m'en as craché combien toi? 8? 9 avec celui qui va arriver là. Non, c'est là. 41, plus que 9. Tant que je l'alimente, celle-là, ça va aller vite. Donc là on se dirait, oh, le tapis il va vite. Hein. Ah, c'est faux, c'est tellement faux. Ça peut aller tellement plus vite. Allez, plus que deux. Plus qu'un. Voilà. Oh, il manque un chouïa de béton. J'avais même pas fait gaffe qu'il manquait un chouïa de béton. J'allais me dire, mais putain, ça veut pas s'ouvrir. On peut pas l'envoyer.
Là, il nous manque un chouïa de béton. J'aurais dû prendre un stack de 500. Ça aurait été plus simple. Oh, il nous manquait 3, on en a pris 4. Et envoyer. Ah, je peux pas cliquer dessus. Ah. Donc là-dedans. Maintenant, il va nous falloir ceci. Foundry grants access to new simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Ceci parce que regardez les poutres en acier, il va nous falloir des lingots d'acier. Et les lingots d'acier se font là-dedans. Là-dedans et là-dedans, je sais plus comment ça se fait. Mais moi, il va me falloir ça. Donc le béton, on l'a déjà. Les rotors, à la rigueur, je peux encore bourrer la machine. Là. Donc là, on en a 10. Le béton, on n'a pas de problème là-dessus. Il va nous falloir les cadres modulaires. Cadre modulaire, c'est ça, plus des plaques renforcées comme ça. Donc des vis. Attendez, il faut que je regarde aussi là parce que ça... Ouais non, ça se maintient. Parfait. Alors ça nous en fait 14. Ça en aurait 15, ça aurait fait plus. Ça nous en fait plus. Donc il nous en faut 20, ça veut dire qu'il nous faut... 5. Non, même pas. C'est multiplié par 3. 3 fois des 6. Il faut 60 plaques de fer renforcé pour faire seulement 20 cadres modulaires. Hallucinant. Les rotors, ça devrait être bon. On va aller voir ça. Normalement, il devrait y avoir ce qu'il faut. 16. Et encore un. En fait, je vais même pas en faire deux, pour vous dire. Je vais plutôt abaisser ça à un, pour commencer. Ça nous sera plus facile à faire. Donc il nous manque deux cadres. Deux cadres et c'est réglé. C'est-à-dire 6 plaques. Le béton, ça va aller tout seul. Et merde. J'ai oublié les tiges.
Bah c'est bon, on a les tiges. Enfin, on a les cadres, maintenant le béton. Et puis, ce que je vais aller faire, c'est je vais l'installer en bas. Près de tout. Mais d'abord, je vais construire ça. Il faut que je vois ce qu'il nous faut. Bah tiens, voilà les décos. Donc c'est charbon plus fer. Et après, il nous faut ça. On a ce qu'il faut. Surpris, on a déjà tout ce qu'il faut en réalité. Et l'avantage, c'est qu'on va tout avoir parce que tout sera en bas. Donc la toitée. Normal. Bon, on va utiliser ce minerai là. On va utiliser ce minerai là, on va faire venir du charbon depuis ce que je vous avais montré. Et puis ça devrait aller. Du coup, notre usine à nous, elle sera ici. L'usine à béton. À plaque plutôt. Alors, production à l'assembleuse, elle est là. Et deviennent ici. Raté. Encore raté. Meurtre. Et du coup, constructeur ici. Donc toi, tu vas devoir me faire des blocs, des barres d'acier. Et toi, tu vas me faire des poutres d'acier. Et du coup, voilà, voilà, voilà. Donc, il va falloir qu'on ramène le charbon là, du normal là-bas jusqu'ici. Qu'on alimente tout ça. Donc là, c'est 3 plus 3, ok. 3 et 3. Ah là c'est bon, celle-là elle est alimentée. Ça avance. Doucement mais sûrement. Donc on va se faire une nouvelle fourreuse. Pour le mettre sur le gisement qui est justement ici, derrière là. Enfin non, il est juste en dessous d'ailleurs. Je ferai aussi les décos de Noël d'ailleurs. Parce que là, enfin quoi que, peut-être que j'ai le temps. En fait j'en sais rien. Je sais même pas si j'ai le temps. Donc de là il va m'en falloir deux, des plaques il en faudra 20. Les foreuses, les foreuses, les foreuses. Voilà, deux foreuses. Parce qu'il me faut tellement plus de plaques.
On va pas pouvoir monter beaucoup, mais bon. Bah non, je vais même pas faire ici. Parce qu'on peut directement amener le métal de l'autre côté. On va directement aller amener le métal pour commencer. Et le charbon, ça sera plus tard. De là à là, ça va aller, mais par contre, il va nous falloir tellement plus de plaques. Mais bon. Ça, de toute façon, on le verra la prochaine fois, hein, les amis. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, pas assez de plaques. Je pourrais désassembler l'ascenseur hein, si je le désirais. Happy holidays. Now go back to work. D'ailleurs, j'ai mal fait les lignes parce que j'aurais bien voulu aller là. Ah, pas assez. Mais bon, voilà, on commence à voir les voies. Hein. J'en ai plus de ça. Ouais, non, j'en ai plus. On va aller en faire. Pas tout alimenter. On va prendre celui-là à celui-là. Si la ligne est assez longue, sinon, ça va être un peu plus problématique. Néanmoins, en attendant, j'ai vu que je pouvais faire les décos de Noël qui me manquaient. Ça et ça. Là il y en a 3, bah c'est bien parce que le quatrième va partir de là. C'est con parce que j'aurais du charbon, je pourrais déjà commencer à faire mes plaques. Et là ce que je vais faire, bah carrément on va aller miner du charbon hein, les amis. Là-bas il y a deux normaux, on va en prendre. Ben, on va se mettre sur le deuxième. Par la suite, les deux charbons qu'il y a là-bas.
plus le charbon impur qu'il y a de l'autre côté, parce qu'il y a deux gisements impurs. Un qui ira dans l'usine là. Et ce qu'il y a là-bas, on fera tout envoyer pour les centrales. Les centrales qu'on a de l'autre côté. Caterium. Vas-y, on va tout prendre. Ouais, je sais qu'on peut tout débloquer grâce à un autre truc. Tu te prends des tatons, mon pote, à chaque fois que tu m'attaques. Vous voyez, là, les champis, là. Ça va me le falloir. Minerai pur, non. Moi, je veux les champs, champs. Et le summer sloop. Ça aussi, j'avais oublié de dire pour ceux qui ne le seraient pas. Comment miner automatiquement? On appuie sur la touche de minage, puis on appuie sur la touche d'inventaire, et puis on réappuie sur la touche d'inventaire, et normalement, on n'a plus rien à faire et ça mine automatiquement. Ça, c'est un petit avantage. Pour ceux qui ne le seraient pas. Et comme ça, on n'a pas besoin de cliquer ou faire quoi que ce soit. Donc si j'en tire 300 de charbon, ça va nous faire 100 plaques. Enfin 100 lingots, je veux dire. 100 lingots d'acier. Encore en tirer 200, comme ça, ça nous en fera... Enfin, je sais que 150, ça va nous faire 75. Ah, je sais pas. Peut-être aller à 200, tu sais. 300 peut-être. Si on a le temps. Comme ça, on lance nos premières plaques. Donc les champignons, on va faire de la recherche avec. Puis on verra la suite. Alors si je fais ça aussi, c'est pour gagner du temps parce que il nous faut de la plaque, hein. De la plaque pour ramener le charbon. On a déjà commencé d'ailleurs à miner le charbon de l'autre côté. Je sais même pas combien on est en énergie pour l'instant.
On aura le temps. 96, 98. Et 100. Et donc en énergie, la conso elle est là. Hein. Et nous on produit, on est tout en haut. On est à 265 et on consomme quasiment rien. D'ailleurs j'ai pas regardé. Ah si, on peut faire ça. On peut commencer à tirer au moins les premiers gisements qu'il y a. Et booster la machine. D'ailleurs j'ai des plaques. Ah j'ai 31 plaques, ça, je peux commencer à en extraire là-bas. Et donne-moi le câble, voilà nickel. Faut pas que je tombe à la flotte maintenant parce que sinon ça va m'annuler ça. Hop, toi là. Ah, j'ai plus de plaques, c'est pour ça que j'avais plus. Mais là déjà ça a commencé à extraire. Et nous derrière ce qu'on va faire c'est mettre le charbon miné. Tout ce qu'on a miné on va le mettre dans la machine. Ça va aller... J'espère que ça va aller vite. On va tourner qu'avec une seule machine comme ça pour le moment. Parce que les tuyaux j'en ai pas besoin. Du moins j'en veux pas pour le moment. Ce qui m'intéresse le plus d'avoir c'est les premières plaques. Pour pouvoir au moins faire un tronçon en T3. Voilà, si ça sort, ça va directement là-dedans. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un peu de mal quand même. Vous allez voir. Ça doucement là. Mais ah, j'ai même pas les T3. Attendez, c'est quoi ce délire? Tier 1. Mais j'ai pas les tiers 3. Pas normal. J'aimerais avoir les tapis de tier 3. Avec cette techno. C'est ce qui s'était passé la dernière fois. Mais vu qu'ils ont modifié le jeu et qu'on est en update 7, c'est peut-être différent. Donc on va aller voir ce qu'il nous faut pour faire de ces tapis. Ah non, regarde, ah non, attendez. Ah, ici c'est pour débloquer ça, ça doit être là. Et ça c'est bon. Donc ouais, il me faudra aussi des tuyaux, des tubes. Si possible, j'aimerais bien finir la ligne charbon. Que ça arrive au moins jusqu'à la première centrale. Comme ça sera nickel.
Non, j'avais pas fait gaffe, mais regardez. On a notre traînée qui apparaît. J'avais jamais fait gaffe à ça. Du moins avant, ça y était pas. Plutôt pas mal. Normalement, ça devrait plus être trop loin. On va couper par ici, nous, pour gagner un petit peu de temps. Et surtout de la ressource. Ça, c'est le premier. Il me reste que 19. Et nous, l'autre, il est... Il est là. On n'est plus très loin en réalité. Hein. Il nous faut juste une... peut-être 70 plaques. Mais bon, les amis, nous, on verra ça la prochaine fois. Tranquillement. En tout cas, en termes d'énergie, on produit déjà plus que ce qu'on consomme grâce à nos 3 centrales à charbon. Par la suite, il y aura les générateurs nucléaires, enfin les centrales nucléaires, les générateurs à carburant, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura aussi les trains, les drones. On aura pas mal de choses, j'ai envie de dire. Tout ça pour transporter les ressources à longue distance, du moins celles que je n'ai pas à côté. Il faudra qu'on les rapatrie, qu'on s'en occupe, qu'on les traite. Et puis voilà. Vous voyez un petit peu le délire. Et par la suite, il va falloir aussi que... Parce que c'est pas tout, hein. Il va aussi falloir qu'on transforme tous les rails en tier 3. Qu'on monte aussi tout l'installation. Là, celle-là, celle que je mets en bas, c'est une définitive. Mais celle qui est là n'est pas définitive. Donc il va falloir que je m'en occupe, qu'on fasse un petit peu tout ça. Ça va être un petit peu long, si je peux dire. Mais ça va être nécessaire. En attendant, on a 2-3 recherches à faire. Parce que là, tout à l'heure, on a récupéré un petit peu d'éléments. Je sais pas. Non, je crois que c'est pas du souffle. C'est du... Où est-ce qu'il est? Je le trouve plus. Ah voilà, c'est ça. Du catharium. Le catharium se trouve là. Après, on a les lingots de catharium ici, les fils de catharium. Ça, c'est pour des meilleures technologies, bien entendu. Hein. Après, on a ça, plus ça, des barres d'armature étourdissantes pour tirer sur les bestiaux. Des tyroliennes. Donc, les tyroliennes vont se faire grâce au câble électrique, bien entendu. Hein. On va bien s'amuser. Bah, je vous montrerai tout ça plus tard. Donc, sur ce, nous, pour aujourd'hui, bah, les amis, hein, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit changement de programme. Je sais qu'il est peut-être pas au goût de tout le monde, mais bon. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve samedi pour la suite de Satisfactory. Et je m'aperçois que j'ai aussi foiré parce qu'on est en Minecraft. Bon, allez, bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.